Salut à tous, une vidéo ludique. Aujourd'hui, j'ai envie de vous présenter rapidement Freedom 0.11. Oui, Freedom, c'est comme j'en ai déjà parlé dans une vidéo précédente dans votre lien dans le descriptif, c'est un projet fou du logiciel libre de réimplémenter avec des données libres, des musiques libres, des niveaux libres, Doom, Doom 2 et les niveaux Deathmatch de Doom. Doom, pour mémoire, est sorti en 93, 94. En 93 et 94, et il y a eu en 95, il y a eu l'Ultimate Doom. Donc en gros, ça remonte à une petite vingtaine d'années. Donc je vous montre la page d'accueil de Freedom. Freedom 0.11 est sorti le 16 février 2017. Pas mal de nouvelles musiques, un nouveau niveau C1M1, l'équivalent de E1M1 quoi. 200 nouvelles textures, des nouveaux écrans intermédiaires, des nouveaux sprites pour les armes. Des nouveaux sprites pour les medkits, à part les armures et les bonus de vie. Un nouveau projet, enfin un nouveau logo pour le projet, des nouveaux niveaux, bref, ça a pas mal bougé. J'aurais bien tenté d'utiliser Crispy Doom pour montrer les démos, mais manque de peau, ça ne passait pas à l'enregistrement. Donc, et comme je suis le mainteneur de la version Git, de Freedom, je cherche Freedom un Git par exemple, je suis le mainteneur de Freedom Git, Freedom Git et Freedom 2 Git, voilà. Donc comme vous pouvez voir, si on regarde les changements, la dernière modification que j'ai fait, Freedom 0.11 post-release, c'est pas très vieux, ça remonte à peine une heure et demie au moment où j'enregistre la vidéo. Vous voyez, on est vraiment, il y a eu quand même près de 300 modifications depuis Freedom 0.10. Autant dire qu'il y a pas mal de boulot. Et là, sa deuxième révision post-Freedom 0.11, donc quasiment rien. Donc, pour cette vidéo, je vais prendre mon ami Zidoum Git, Zidoum, parce qu'au moins, j'aurai un affichage fenêtré et ça pourra permettre comme ça de jongler facilement avec les niveaux. Oui, je sais, je vais tricher un peu parce que j'ai toujours été une bite monstrueuse, désolé pour l'expression, mais une bite monstrueuse en termes de jouabilité pour Doom. Je me sens un peu mieux avec Quake, pas beaucoup mieux, mais un peu mieux. Donc là, on va dans le jeu et on va commencer par Freedom Phase 1. Donc là, normalement, on va se lancer. Ben, j'espère. On va pas se lancer. Tiens donc. Ah d'accord, j'ai compris. 30 secondes. C'est des téléchargements. Lox Freedom. Ah, c'est là. Yaourt. Désolé, j'avais oublié d'installer Zidoum. Aléa du direct. Voilà, ça va aller mieux, je pense. Et maintenant, si je mets Freedom Phase 1, ça va aller mieux. Ça va mieux, voilà. Donc, vous avez l'écran d'accueil de nouveau Freedom. Donc comme d'habitude, il y a 4 épisodes de 9 niveaux à chaque fois avec 5 niveaux de difficulté. Donc là, je sais, c'est pas bien. Mais moi, ça permettra de vous montrer le premier niveau du jeu. Donc si je me souviens bien. Apprécie la fausse 3D de Doom. Mais coché, voilà. Donc là. Ouais, c'est bien sûr du bon vieux Doom avec les interrupteurs. Thank you.
maintenant, on peut aller là. Voilà, on va pouvoir. C'est bon, il me reste 6 et 2 secrets que j'ai pas trouvé. Et que je ne trouverai pas parce que j'ai toujours été nul pour trouver les secrets à Doom. Sauf les secrets les plus évidents. L'UAC est devenu la GM, donc c'est vraiment la. Salut Pinky! Au revoir Pinky! On va voir. Bon, ça serait trop bien que ce soit un secret. Où sont passés ces enfoirés de secrets? Bon, je les aurai pas, tant pis. Et là, vous avez l'écran d'intermède. Là, bien sûr, vous avez les. 36 niveaux à finir pour avoir jusqu'à la fin de Free Doom Phase 1, alias Doom 1 en version libre. Voilà. Il y a Free Doom Phase 2, aka Doom 2 en version classique. Et là, voilà, ça que je vais faire. Donc c'est le même écran. Par contre, comme Doom 2, il n'y a que des niveaux à la suite. Il y a 32 niveaux, bien sûr, les 30 niveaux classiques plus les deux cachés. Donc là, je vais vous montrer l'ensemble. Là, je vais carrément aller au dernier niveau. Donc je fais map 30. Ça s'appelle Joe of Defeat. Voilà, donc là. Là, c'est le Skag 1337, alias le BFG 9000 dans Doom Classic. Autant faire le plein. Donc je vous montre les armes. Ce qui remplace la tronçonneuse. Le coup de poing. Le pistolet. Le fusil simple. Le double canon. La mitrailleuse. Le lance-roquette. Le fusil à plasma. Et. Le grand nettoyeur, qui en est des BFG 9000. Cinq monstres et aucun secret. Bon, d'accord. L'image de John Romero dans dans Doom 2. Richard Matthew Stallman, ouais. Après on a le message de fin habituel, blablabla. Et là on a les monstres, donc le zombie. Le zombie avec l'équivalent du sergent dans le Doom. Celui qui a une mitrailleuse. L'équivalent du démon dans Doom.
l'équivalent du démon, le Pinky, je sais plus si c'était bref, l'équivalent du monstre. Voilà. L'équivalent des âmes perdues. L'équivalent du cacodémon, le trilobite. L'équivalent du chevalier d'enfer. Ça, si vous vous rappelez la fin du premier épisode de Doom, c'est l'équivalent. Les petits, les mini Spider-Man Demand. Je sais pas comment c'était dans le jeu. Ça, je m'en rappelle pas parce que j'ai pas trop joué à Doom 2, donc... Parce que revenant, celui-là, le revenant. L'équivalent du Spider-Demon dans Doom. Et le remplaçant du Cyber-Demon. Et bien sûr. Et pour finir, je vais vous montrer la partie Deathmatch. Donc jeu. Full Doom Deathmatch. Là, c'est pour les parties à plusieurs, à son avis, voilà. Comme ça, mince. Voilà, et après ça... Maps. Maps... Il y en a deux, peut-être. Non, je sais pas comment ça s'appelle les maps. Map 01, on va mettre sur map 02. Voilà, par exemple. Je sais pas par contre combien il y a de maps de Deathmatch. Je vous montre un peu les maps quoi. Avec la grosse pub bien sûr. Voilà. Les musiques qui vont bien. Rappelez-vous. Faut faire attention les explosifs. Voilà, donc vous voyez, c'est bon, les graphismes piquent un peu les yeux, mais c'est vraiment en hommage au premier Doom qui a vraiment marqué son époque. J'espère que cette courte vidéo vous a plu. Sur ce, je vous laisse, je vous dis salut à tous, à la prochaine, bye bye.